Narbonne-Montauban, première journée de Pro D2. Et comme vous le voyez à l'image, ce sont les Tarn-et-Garonnais qui ont l'opportunité d'ouvrir le score au tableau d'affichage dans un parc des sports et de l'amitié déjà survolté. Le buteur Jérôme Bosviel passe sa pénalité. 3-0 pour Montauban. Il faut attendre la pause fraîcheur pour voir les Narbonnais à leur avantage. Stéphane Brett a l'occasion de ramener son équipe à égalité, mais le buteur manque sa tentative à 22 mètres des poteaux. Montauban pousse dans cette première période et jouit de bons ballons de relance, comme celui-ci, initié par Ascarat. Les courses sont tranchantes. Pierre Clure est au relais, sert Toupouola qui décale parfaitement Maxime Mati pour le premier essai de cette partie. Un superbe travail de la part de l'équipe montalbanaise. Un essai pas transformé par Jérôme Bosviel. Et au retour des vestiaires, Narbonne n'accuse que 5 points de retard suite à la pénalité inscrite par Stephen Brett. Mais la conquête flanche sévèrement. L'USM prend l'avantage dans tous les compartiments du jeu. Bosviel convertit cette domination avec 3 points de plus pour son équipe. Narbonne 3, Montauban 11. La réponse arrive seulement quelques minutes plus tard de la part de son homologue Stephen Brett, récent champion de France de top 14 avec Clermont. Le Néo-Zélandais ramène son équipe à 5 points de retard. Inlassablement, dès que Narbonne revient dans la partie, Montauban sait à chaque fois anéantir tous les espoirs audois. Touche à 5 mètres, groupé pénétrant qui désaxe et qui offre à son talonneur qui vient de rentrer sur la pelouse l'honneur de marquer le deuxième essai des Tarn-et-Garonnais. Avec la transformation de Bosviel, l'USM prend 12 points d'avance désormais. C'était la 65e minute que ce match va prendre une nouvelle tournure. Sergueï Sergueïev est sanctionné d'un carton jaune. Les visiteurs évoluent désormais à 14 contre 15. Cela va compter quelques minutes plus tard quand les oranges et noirs vont se montrer dangereux sur la ligne d'en-but des Montalbanais. Marcelino Paolino fait l'effort et permet à son équipe de rêver d'une victoire après ce premier essai. La transformation de Pierre-Alexandre Dutt, rentrée à la place de Brett, permet à l'espoir de persister. Mais il est finalement bien trop tard pour espérer mieux qu'un bonus défensif à domicile. Pour Montauban, par contre, ce succès à l'extérieur est idéal pour lancer cette nouvelle saison de Pro D2.